L'ancien numéro 2 du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, sera investi président vendredi, selon les médias d'État. Il sera installé trois jours après la démission de Robert Mugabe qui a dirigé le pays pendant 37 ans. En exil depuis son éviction du pouvoir, l'ancien vice-président, 75 ans, doit arriver à Harare mercredi à 18h, 16h GMT, précise la ZBC alors que son retour était précédemment fixé à 13h. Monsieur Mnangagwa a été écarté le 6 novembre, en plein bras de fer avec la première dame Grace Mugabe qui lui disputait la succession du président âgé de 93 ans. Son éviction a provoqué l'intervention de l'armée, qui contrôle le pays depuis la nuit du 14 au 15 novembre. Robert Mugabe, le plus vieux dirigeant en exercice de la planète, a finalement décidé de quitter le pouvoir mardi au moment où le Parlement était en pleine séance de destitution contre lui.